Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Très heureux de vous retrouver cet après-midi. Merci d'être branché sur Tempo Afrique TV. Nous sommes ensemble sur Tempo Afrique TV pour une durée de 1h00. Nous allons essayer de discuter encore sur des points sensibles dans cette émission Lumière internationale qui vous est proposée tous les vendredis à partir de 21h temps universel sur Tempo Afrique TV pour vous décostiquer l'actualité sociopolitique internationale, surtout vers le développement des actions menées par les organisations internationales dans le monde entier. Telles sont quand même la mission que Tempo Afrique s'est donnée et proprement avec les journalistes analystes, bien sûr, de Tempo Afrique TV et des invités du plateau. Nous sommes là pour vous aider à comprendre ce qui c'est que l'information, l'actualité politique dans le monde entier. Vous y êtes, nous y sommes. Voici le nouveau numéro. Voilà, rapidement, je vous donne le titre d'aujourd'hui. Selon les critères et les critiques, bien sûr, de la nouvelle monnaie ECO, pourrait être une monnaie des pays de la CEDEAO. Voilà la grande question que tout le monde se pose. Parce qu'il y avait eu des critiques entre les pays membres de la CEDEAO il y a de cela une semaine. Les pays membres de la CEDEAO se sont réunis en extraordinaire à Abuja pour essayer de dénoncer le coup de force que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont orchestré, bien sûr, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au nom des 15 pays de la CEDEAO. Voilà. Mais il était à savoir tout simplement que ce ne sont pas quand même ces 15 pays-là qui se sont mis d'accord avant que Alassane Ouattara ne vienne prononcer son discours. Mais néanmoins, Alassane Ouattara également précise que voilà, il avait quitté le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Il a fait comprendre à tous les membres, à tous les pays membres, bien sûr, de la CEDEAO, qu'il allait prononcer un discours de tel contenu comme ça, appuyé de Emmanuel Macron. Mais il y a 6 pays aujourd'hui qui se lèvent contre cette décision. Il s'agit bien sûr du Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, la Guinée-Conakry et la Gambie. Voilà, ces 6 pays se sont levés contre la dénomination ECO qui est en échange avec le franc CFA. Mesdames et messieurs, la grande question qui se pose aujourd'hui, Alassane Ouattara, Emmanuel Macron et les 8 pays de l'UEMOA ont voulu faire du franc CFA une monnaie qui va essayer de changer, qui va changer quand même la nouvelle monnaie ECO. Donc l'ECO devient maintenant la nouvelle monnaie que tous les pays de la CEDEAO vont utiliser pour leurs échanges commerciaux. Mais finalement, les 6 pays dont je viens de citer, je précise encore, le Nigeria, la Sierra Leone, Libéria, le Ghana, la Guinée-Conakry et la Gambie se sont levés contre cette dénomination ECO. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ECO pourrait être la monnaie des 15 pays de la CEDEAO? Quelle est la grande question que la majorité des populations africaines se posent? Alors, nous allons poser le débat tout de suite. Je suis sur le plateau avec deux invités que vous connaissez bien. Ils ne sont plus à présenter, mais néanmoins, je vais vous les démontrer rapidement. Je suis en premier lieu avec Serge Nyawa, le grand animateur du grand débat sur Tempo Afrique TV. Serge, bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'est moi qui vous remercie, Gabriel, de m'avoir encore invité à cette grande émission qui essaie quand même d'informer tous les Africains de la situation sociopolitique, surtout en Afrique, et du manque à gagner. Merci Serge, merci. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes journaliste, présentateur
analyste bien sûr de Tempo Afrique TV, animateur principal du grand débat tous les samedis sur Tempo Afrique TV. Le second invité sur ce plateau se nomme tout simplement Marcel Codier. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Serge, bonsoir à notre réalisateur, bonsoir à tous les amis, à toi-même et nos amis qui sont branchés sur Facebook, qui nous écoutent et nous entendent souvent. Et merci de leur appréciation de nos émissions. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Tempo Afrique TV. Alors, vous êtes activiste, membre de l'Amnesty International et vous militez pour plusieurs partis. Alors, vous êtes dans plusieurs associations, dans plusieurs organisations sociales, bien sûr, j'allais dire. Donc, vous êtes mieux placé pour éclaircir une fois encore les téléspectateurs de Tempo Afrique TV sur la grande question qui plane quand même l'inquiétude au cœur des Africains. Selon les critiques, la nouvelle monnaie éco pourrait être une monnaie des pays de la CEDEAO. Telle est la grande question qui se pose aujourd'hui. En premier lieu, Marcel, vous êtes activiste, vous venez de suivre, vous avez suivi bien sûr les interventions de, comment appelle-t-on, le président de la Côte d'Ivoire, appuyé par Emmanuel Macron, le moment où il prononçait le discours qui est en fait quand même l'échange de l'écho au franc CFA. Mais aujourd'hui, ces pays se sont levés contre cette décision. Il s'agit bien sûr du Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, la Guinée-Conakry et la Gambie. Marcel Codier, voilà. Est-ce que l'écho pourrait maintenant devenir la monnaie panafricaine en 2020? Non, tout est possible, à condition que c'est que Alassane Ouattara a voulu faire la primaire, voulait faire croire aux gens que lui, il est de la FMI, qu'il connaît mieux l'argent parce qu'il a toujours défendu le franc CFA. Il s'est pris à Kapounou Boukwa, professeur Koulibaly. À cause de cette affaire de l'écho, elle a dû expulser la dame Nathalie. Bon, beaucoup de choses. Alassane, lui, je crois qu'il a voulu faire la primeur à l'arrivée de Macron, croyant que les autres allaient suivre. Aujourd'hui, les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État, compte tenu de, de leur popularité, une impopularité dans leur pays, ne veut pas se faire encore borner dans ces histoires. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui quitte une réunion à Abuja en même temps va faire cette déclaration et les autres Français. Bon, vous allez constater que les pays anglophones, tous ne sont pas d'accord. Parce que le Ghana, c'est une puissance monétaire, comme on appelle le Nigeria. Et tous ces petits pays, la Gambie, ils s'alignent derrière le Nigeria et le Ghana. Bon, il a vu la Guinée, le pays francophone aussi. Bon, lui aussi, c'est un pays. Lui aussi, vous savez que lui n'est pas dans le CFA. Bon, tout ça, avant d'arriver dans le CFA. Et il faut des. Comment dirais-je? Et il faut des négociations. Mais Alassane Ouattara, certes, ne peut pas négocier ou bien en faveur de ce pays. Bon, moi, je pense que le coup, c'est une bonne chose. Marcel, mais il faudrait quand même le signaler. Alassane Ouattara a signalé dans ses propos, le moment où il a été interviewé par les confrères de la BBC sur le territoire de la Grande-Bretagne, il a bien précisé que voilà, avant de prononcer ce discours, ses pairs, qui sont ses homologues, bien sûr, de la CEDEAO, étaient tous au courant avant de prononcer. Mais aujourd'hui, il y a 6 parmi eux qui se sont levés contre cette décision. C'est un mensonge. Oui, peut-être c'est pas le père dont il parle, peut-être des francophones. C'est des francophones. Peut-être aujourd'hui, il a précisé bien, hein, il a précisé bien que voilà, tous les 15 pays de la CEDEAO étaient en réunion à Abuja, le moment où il allait quitter pour venir prononcer ce discours à Abidjan. Hein. Il a bien précisé. Le Togo ne s'est pas de solidariser de lui. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Bénin, les pays francophones ne sont pas... Est-ce que peut-être... Tu sais, Alassane a voulu être... comment dirais-je? A voulu être un chef de file des chefs d'État. Je pense que le rôle... Bon, comme il était président de l'Union monétaire ou quelque chose là... l'Union monétaire, non, je crois que c'est lui qui est le président d'exercice.
Non, il croyait que peut-être il avait la primeur. C'est ce que moi j'ai vu. Bon, les frères, ses frères, ses pères, est-ce qu'ils se sont compris seuls? Est-ce que c'est ce qu'ils ont décidé? C'est ce qu'Alassane est venu dire à Macron. Bon, moi, ce n'était pas la visite de Macron qui allait annoncer. Ils allaient prendre une autre occasion pour pouvoir annoncer. Je ne sais pas pourquoi il a voulu annoncer ça devant Macron. Faire plaisir à la France ou bien quoi, à l'Afrique. C'est notre argent, ce n'est pas l'argent de Macron. Bien sûr que non, c'est notre argent est basé. Alors, merci Marcel. Nous allons donner la parole tout de suite à Serge Ngawa, qui est également présent sur ce plateau, le grand animateur du grand débat sur Tempo Afri TV. Alors Serge, vous étiez en contact avec les chaînes internationales. Vous avez quand même suivi l'intervention de Alassane Ouattara au moment où il a été interviewé sur le territoire londonien. Et il a bien précisé que ses pères présidents de la CEDEAO étaient au courant de sa prononciation sur cette question à Abidjan. Mais aujourd'hui, les 6 pays anglophones se sont levés contre cette décision. Et finalement, Eko Tangine à avoir lieu. Merci Gabriel. Est-ce que pour la lanterne des auditeurs et téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler les 6 pays qui aujourd'hui n'ont pas, qui ont désisté? Oui, exactement. Voilà. Il y a d'abord le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, la Guinée-Conakry et la Gambie. Merci encore une fois de plus, mon cher ami, pour cette grande émission. D'abord, la question que nous sommes en train de nous poser, est-ce que cette monnaie sera réellement effective? Est-ce qu'elle va prendre naissance en 2020 comme on l'a si institué? Vous savez, en Afrique aujourd'hui, quiconque va se lever pour essayer quand même de discourir de manière personnelle va plaire celui qui l'a colonisé. Mais comme Marcel l'a dit, ce n'était pas le moment pour le président ivoirien de pouvoir faire un compte rendu systématique à M. Macron vis-à-vis de cette monnaie. Parce que nous avons vu que c'est ça même qui a été au centre même de, comment on appelle, de cette visite. Nous nous sommes demandé si jamais le président Ouattara avait contacté ses pairs, mais comme vous l'avez dit, les gens ont dit que oui, il les a contactés directement d'Abuja, il est venu quand même prononcer cela, que ce sont les pairs qui l'ont Il a bien précisé aussi qu'il les a adressés des notes. Voilà, il a adressé les notes. Mais Gabriel, ça devait, pour que ça puisse vraiment prendre, il fallait que le président Ouattara le fasse dans un autre jour où la présence de tout un chacun sera effective, monsieur. S'il le faisait, en ce moment, il n'y aura pas de pays qui auraient désisté à la mise en place de cette monnaie. Parce que quand on parle de cette monnaie, on parle de l'indépendance économique, on parle de l'indépendance monétaire. Si vous n'avez pas une indépendance monétaire, c'est comme vous n'êtes rien d'abord. Donc, je pense que M. Ouattara devrait quand même le faire en présence de tous ces pays-là, des 15 pays qui doivent prendre part à la mise en place de cette monnaie. Parce que quand on parle de la monnaie, on ne parle pas d'une seule propriété, mais on parle de la propriété commune, on parle de la propriété unique. Ça veut dire que chacun de ces personnalités devait être présent. Maintenant, si M. Ouattara arrive, il faut dire que il a quand même tout le monde est tenu informé et que ce sont les pères qui l'ont chargé et que ces mêmes personnes viennent décider, il y a quelque chose à l'horizon qui ne dit pas son nom, M. Gabriel. Merci Serge. Alors, il y a déjà les téléspectateurs, les internautes qui sont déjà branchés et en train de nous suivre. Il y a Mohamed Lamine qui est connecté, il participe également. Il y a Michael, voilà, lui aussi, Michael, vous qui participez également. Il y a
L'ONI qui est déjà en ligne pour nous suivre. Il y a Oxeni, Sikirou et Eliassou qui nous souhaitent déjà bonsoir et bonne émission. Merci Oxeni. Et également d'autres téléspectateurs qui sont là. D'ici peu, nous allons commencer à les appeler tout à l'heure, un à un, sur Tempo Afrique TV. Alors, si vous avez d'autres idées, d'autres propositions à la question qui est posée, selon les critiques, la nouvelle monnaie éco pourrait être une monnaie des pays de la CEDEAO. Telle est la question aujourd'hui qui est en débat sur Tempo Afrique TV dans l'émission Lumière Internationale dont vous êtes connecté. Merci. Alors, Marcel Codier, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le début ou bien l'introduction de la monnaie éco qui tanguine à venir, juste parce que nous n'avons pas en totalité l'indépendance économique dont vient de parler tout de suite Serge Gnawa. Maintenant, voilà, il y a 8 pays de la zone CFA qui se sont constitués en organisation UOMOA. Et ces 8 pays-là dépendent directement des actions contorsion, bien sûr, de la France directe. Ce qui prouve tout simplement que c'est la France qui contrôlait le franc CFA. C'est ce que refusent aujourd'hui les 6 pays anglophones. Ils veulent être indépendants. Alors, Marcel, est-ce que ce serait possible aujourd'hui qu'on rassemble encore les 6 pays anglophones et les 8 pays de la zone du franc CFA, et qu'ils soient ensemble sur un même plateau, si c'est possible? Non, c'est possible. Est-ce qu'ils sont partis pour le bon? Non. Ils ont désavoué seulement le comportement, la déclaration d'Alassane Ouattara. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ont fait des négociations? Ils ont déjà, ils se sont concertés. Bon, au moins, ils ont leur programme, ils ont leur plan. Maintenant, bon, c'est ce qu'il faut revoir. Maintenant, il faut négocier avec les pays anglophones. Soit il faut convoquer notre sommet. Là, on négocie avec les Francs-Valais anglophones, qu'est-ce que vous voulez? Quand s'ils vont passer, tous ces pays, vous allez comprendre que ce sont, ils ont leur monnaie. Alors, s'ils vont se départir du Sidi, du Naira, et du franc, comment l'appelle-t-on, le franc gambier, le franc, le Sili, Guinée, il faut des conditions. D'abord, c'est tout ce qu'ils ont, ils auront comme en stock. Qu'est-ce qu'ils font le faire? Comment s'il faut, on doit les payer comment? Comment est-ce qu'il faut remplir leur banque? C'est ça aussi le problème. Avant qu'il ne reçoive. Surtout le taux d'échange qui porte très important là-bas. Le taux d'échange, est-ce que si nous ne savons pas faire, à cela lui vont les choses de la façon. Je pense qu'il y a une dévaluation qui arrive. Si nous ne savons pas faire avec cette situation-là, pas moi, je pense que si nous ne savons pas, il y aura une dévaluation parce qu'aujourd'hui, les cours, on nous parle que ça doit être 655, comme le CFA. Mais si nous ne savons pas, nous allons payer l'écho à 1200. Parce que il est fort possible. Parce que la France aussi, il sauvegarde ses intérêts. Sachant que vous n'êtes pas d'accord sur son principe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dévaluer l'argent. Là, Marcel, est-ce que la France a quand même l'audace ou bien ce pouvoir de pouvoir s'ingérer directement dans l'économie, la monnaie que les pays africains doivent se donner le devoir de concevoir entre eux-mêmes et commencer à mettre ça en opération? Est-ce que la France a quand même cette audace-là de s'impliquer directement? Comment est-ce que la France n'a pas? Parce que vous n'avez pas de fabrique. C'est la France qui vous coupe, qui vous fabrique votre argent. Il est impliqué. Il a des ouvriers, il a des fonctionnaires qui travaillent pour vous, et c'est eux qui fabriquent. Et maintenant, vous voulez les laisser tomber, ils ne vont jamais accepter. Ce sont des négociations gagnant-gagnant, c'est ça le problème. Parce que la France, c'est nous, le problème des Africains de ne pas avoir des fabriques d'argent. Qu'est-ce que nous devons faire? Le Sénégal, on devait au moins des grandes usines de fabrique. Au moins, ça fait la grande étude de la BCE, c'est au Sénégal le siège. Non, pour le Sénégal, au moins, je pense que le Sénégal, c'est un pays sécurisé. Au moins, il y a des pays sécurisés où on peut loger au moins trois pays, on peut fabriquer la monnaie là-bas. Bon, nous n'avons pas ça. C'est la France qui nous dit, bon, il a toujours son idée de fabrication. Bon, quand est-ce que nous allons? Non, peut-être la France va dire, bon,
Laissez-nous, nous allons continuer de travailler avec vous pour 10 ans, 20 ans, avant de vous libérer. C'est ça aussi le problème. Du moment où les anciens chefs d'État ont accepté que la France, depuis le temps de Fourvoyer, et que la France a toujours coupé, fabriqué cet argent, nous sommes obligés de comprendre aujourd'hui. Pour moi, il faut quitter cette France. Et à la question reste à se poser. Alors, Serge Gnawa, est-ce qu'en réalité, la question de la dévaluation qu'aurait posée peut-être la France le moment où les pays de la CEDEAO auraient décidé en commun accord de faire face, d'échanger carrément les paramètres, bien sûr, les paramètres économiques de ECO, la nouvelle monnaie qui sera mise en pratique? Est-ce que cette dévaluation, les pays de la CEDEAO vont consommer ça facilement comme ça? Bon, Gabriel, oui, déjà, sir. Mettez-vous en idée que quand on parle de l'ECO, c'est déjà ce qu'on appelle la dévaluation. C'est déjà la dévaluation, il n'y a rien à faire. Donc c'est un autre, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est une autre manière systématique qui va prendre la place à travers la mise en place de l'ECO, qui est une autre dévaluation, qui ne dit pas son nom. Mais je dirais, aujourd'hui, on parle de la mise en place de cette monnaie. Oui. Mais quand on prend réellement les critères de convergence, aucun pays de ces 15-là n'est prêt pour la mise en place de cette monnaie. Personne n'est prêt. Peut-être que ces pays francophones, aujourd'hui, qui sont arrimés à la France, pour ne pas dire que l'écho encore doit être arrimé à chose, comme on appelle, à l'euro, pour ne pas qu'on avance, ces pays-là vont être forcés pour la mise en place de cette monnaie. Et encore, on n'est pas libre totalement. On n'est pas totalement libre. Quand Marcel parle du fait que l'usine de fabrication, on va toujours dépendre de la France, je le comprends. Mais c'est en cette raison-là que j'ai parlé de l'indépendance monétaire. Et pour avoir cette indépendance monétaire, il faudrait que politiquement on se dégage. Parce que, monsieur Gabriel, quand on parle de la mise en place de l'ECO, on a l'impression que nous sommes dans un restaurant où on nous servait une nourriture qui ne change pas. Mais cette nourriture, désormais, va changer de nom. Mais ce sont les mêmes ingrédients qui rentrent là-dessus. C'est c'est ça le coup. Ça. Donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Les pays aujourd'hui qui veulent désister, mais les pays ont bien raison. Est-ce que nous allons continuer de vendre nos produits à la France et puis garder les 50% dans le compte, le grand trésor de France? Est-ce que nous allons le faire? Est-ce que nous allons le faire? Si nous allons le faire, c'est que les pays anglophones ne vont pas être avec nous. Ils ne vont pas être avec nous parce qu'il faudrait qu'on coupe directement avec la France. Hein, pour cette pour qu'on ait une liberté monétaire. Si on le fait, il y aura une division. Oui, Serge, il y a Marcel qui soulève un problème, hein, qu'avant de couper, que ce serait un peu difficile de couper avec la France parce que cette monnaie CFA dont nous sommes en train de mettre à l'opération maintenant se fabrique en France. Mais et finalement, l'Afrique n'a pas les paramètres nécessaires pour pouvoir fabriquer ça. L'Afrique n'a pas les paramètres nécessaires. C'est ça qui est le retard aujourd'hui de l'Afrique. Vous allez toujours rester là. Ça fait combien d'années nous sommes colonisés? Ça fait combien d'années nous avons cette monnaie? Lui, Marcel, n'était pas encore né, puis cette monnaie était là. Et on parle de fabrication de l'usine. Mais on peut changer de tactique. On peut changer encore. L'Afrique doit prendre ses responsabilités pour que la fabrication de cette monnaie se fasse en Afrique. À ce moment précis, on aura tout, on va prévoir, promouvoir notre propre développement. Je dis bien que Marcel a peut-être raison, mais on ne doit pas continuer de parler de cette histoire d'usine, de parler du fait que
on va toujours rester greffé sur l'usine de l'autre côté pour nous fabriquer cette monnaie. Merci Serge. Nous allons rapidement faire passer le message des téléspectateurs qui nous suivent. Il y a un mouvement au CENI, le messager qui nous dit que la coupure du franc CFA, c'est le Sénégal. Alors, il a dit que la coupure du franc CFA, c'est le Sénégal. Et Razik Alas qui nous dit bonsoir, mes chers aînés. Voilà, il nous salue sur le plateau déjà. Merci Razik, on vous reçoit la salutation. Il y a Omar Daro qui est déjà connecté, qui nous suit directement, qui participe. Il y a Léonero Boyer, voilà, qui participe également. Donc voilà, chers téléspectateurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique. Soyez les bienvenus. Vous venez de prendre le train en marche. Nous sommes en train de discuter concernant la question, selon les critiques aujourd'hui, la nouvelle monnaie éco pourrait être une monnaie des pays de la CEDEAO. Telle est la grande question qui se pose aujourd'hui. Alors, on va essayer. On est sur le plateau avec Serge Niawa et Marcel Kodje. Alors, Marcel, voilà le développement un peu du Serge Niawa qui nous dit que voilà, l'Afrique, il est temps que l'Afrique coupe avec la France pour essayer de cesser l'indépendance, ou comment appelle-t-on, la dépendance à la France. Mais est-ce que vous, les Africains, vous êtes indépendants? Quand vos chefs d'État vont encore demander le pouvoir, le fauteuil présidentiel, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, c'est ça le problème. Et la France a un pied dedans, un pied dehors, avec vous. Les décisions, nos chefs d'État ne sont pas ce qu'ils attendent chaque fois. Même quand l'affaire de Eco, de CFA est arrivée, les gens attendent d'abord les déclarations de Macron avant de réagir. Oui, c'est ce que Serge est en train de dire. Est-ce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de se construire nous-mêmes cette usine de fabrication-là? Quand on prend le pouvoir, prenons le cas de Fonia Sibé. Qu'est-ce que lui peut dire à Macron? Quelqu'un contre Sarkozy qui lui a visité, il a pris le pouvoir le temps de Chirac. Quand les Chiraciens lui ont donné le pouvoir, qu'est-ce que lui peut dire de... Si aujourd'hui, il va dire que tu vas te quitter la France, tu vas départir de la France, ils vont te créer des problèmes. Le président sénégalais, n'en parlons pas. Le Guinéen Alpha Condé, ils sont venus au pouvoir grâce à la France. Et notre ami Alassane Ouattara, qui aujourd'hui fait la foule, le ciel et le beau temps, il est venu sous le couvert de la France. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à quitter la France? C'est impossible. C'est, tu vois le problème qui se passe que les gens ne voient pas. Parce que le Ghana ne peut pas accepter qu'on ne fabrique son argent à partir de la France. Oui. Donc, le Nigeria aussi, c'est une puissance. Donc, tous ces pays, est-ce que la France, c'est ça le problème, le nœud du problème que les gens ne comprennent pas? Ils vont vouloir être indépendants de leur coupure. Bon, il y avait quelqu'un qui disait que la coupure, ça se fait au Sénégal, je crois, je pense pas. Je crois que le truc là, le nom échappe là, la ville où se fabrique l'argent. Je crois qu'il y en a. Chamalière. Oui. Vous croyez que tout, la fabrique de Chamalière, on va le fermer en un clin d'œil? Non, c'est impossible. Mais, Marcel. Oui. Marcel. Oui. Allez-y, Gabriel, avant que je n'intervienne. Oui, merci. Il y a Omar Daro qui nous dit Alassane Dramane Ouattara est en train de manigancer pour saboter le projet de la CEDEAO. L'éco est une monnaie de la CEDEAO qui n'a rien à voir avec la France. Voilà. Merci. Ça, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais Monsieur Ouattara est dans sa logique. Monsieur Ouattara, quoi que vous allez faire, nos chefs d'État sont dans leur logique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 15 pays africains. Nous avons les pays anglophones. Quel est le problème qui existe aujourd'hui entre ces pays anglophones? Mais c'est toujours les pays francophones qui ont les problèmes. Je ne veux pas qu'on personnalise le débat en parlant aujourd'hui peut-être de Monsieur Ouattara, en parlant peut-être de Monsieur Fro Yassimbe, essayons de tout les mettre ensemble. Parce que nous savons qu'ils sont dans leur logique, nous savons qu'ils ne pourront pas outrepasser leur maître pour nous envoyer ce que nous voulons. C'est à nous maintenant. La responsabilité sera à tous les Africains.
ce n'est pas seulement les chefs d'État. Ces chefs d'État sont là pour essayer de converger, non seulement avec l'extérieur, mais de nous amener ce que l'extérieur a déjà préparé. Oui. Monsieur Marcel a dit tout à l'heure que quand on prend, par exemple, ces pays anglophones, quand on prend le Naira, un Naira, ça va être comme un de... comment on appelle? Ça va faire comme un de écho. Et le Sidi Ghanéen aussi. Donc, il faut réellement créer cette politique monétaire. Il faut la créer. Parce que ce qu'on vient nous dire, par exemple, on vient nous dire, c'est pas ce que nous prétendons faire. Parce que ce que M. Ouattara a dit, ça a été différent. Parce qu'on a vu que M. Ouattara, quand il a fini de prononcer ce discours, il nous avait dit que la parité monétaire, ça ne serait pas dépendant. Mais dès qu'il est arrivé, il a dit que l'euro, l'euro sera... Parce que dès qu'il est arrivé de la France, il a dit que l'euro sera toujours arrimé. Hein, le franc CFA qui va remplacer l'euro sera toujours arrimé à l'euro. Ça veut dire quoi? Cette dépendance-là, on n'aura pas ça. C'est pour ça. Les pays anglophones viennent pour dire qu'on ne va pas si vous n'êtes pas des solidarités de la France. Voilà, merci l'explication de Serge. Il y a d'abord mouvement au CENI, le messager qui nous dit que les chefs d'État africains doivent prendre conscience. Maintenant, il y a Razik Alas qui nous pose la question à savoir est-ce que l'écho est une monnaie de l'UOMOA ou bien une monnaie de la CEDEAO? Si on arrive à faire la distinction, alors on peut commencer à débattre. Voilà. Et Marcel, cette question-là, je voudrais que vous le répondiez. Il pose la question à savoir, est-ce que l'écho est une monnaie de l'UOMOA ou bien une monnaie de la CEDEAO? Si on arrive à faire la distinction, alors on peut commencer à débattre. Voilà. Il a remis tout sur la table maintenant. Marcel. Non, l'écho, en première partie, on peut dire que c'est l'argent de l'UOMOA. Bon, maintenant, l'UOMOA veut l'élargir pour aller jusqu'au pays de la CEDEAO, même au pays de la CEMAC, l'Afrique centrale. Donc ça, je pense qu'ils avaient fait une réunion, l'Afrique centrale. Non, mais selon les recherches, hein, pour bien éclaircir le téléspectateur Razik Alas, selon les recherches, les investigations, l'écho, c'est une monnaie qui appartient d'abord à la CEDEAO. De la CEDEAO. C'est une monnaie de la CEDEAO. Or, la CEDEAO regorge 15 pays en son sein. Et ces 15 pays-là n'utilisent pas forcément une monnaie unique. Vous voyez maintenant? C'est là le problème aujourd'hui. Et c'est sûr qu'ils ont créé l'écho. Avant, c'était le CFA. Les pays francophones avaient le CFA. Maintenant qu'ils veulent aller à l'écho, donc le Ghana doit participer, ça doit l'écho. C'est quoi on appelle maintenant aujourd'hui l'écho. C'est un changement de truc là. De veste. Ils ont quitté le CFA pour aller à l'écho. Maintenant, l'écho, maintenant, c'est tous les pays africains de la CEDEAO qui vont. Maintenant, il y a les anglophones qui disent qu'ils ne sont pas d'accord sur les accords avec la France. Les paramètres de base, ils ne sont pas d'accord. Pour moi, un pays en tant que Nigeria, en grande puissance, moi, je ne peux pas permettre qu'on fabrique mon argent en France avant de me l'amener au Nigeria. Voilà que moi-même, j'ai des usines. J'ai le matériel. Moi, le Ghana, c'est le CDI. Vous savez que le CDI n'est pas stable. Et ça fait. Le CDI est tellement. C'est une puissance pour les Ghanéens. Les Ghanéens ne vont pas. Voilà. Quand l'écho va venir, ce serait le juste stable, une monnaie stable. Est-ce que ça va dans les intérêts des affaires du Ghana et du Nigeria? Le Ghana a éclaircir. Son inquiétude la fois dernière pour dire que, bon, si il s'est avéré que le co vient sur table, et pour eux, ça ne les gêne pas trop, ça permettra que, voilà, ça va lever les assumptions, bien sûr, et les vétos que planent sur l'échange monétaire entre le CFA et Silice. Vous n'êtes pas sans savoir que le CFA est un peu en avance sur Silice. Donc, déjà, ça rentre dans l'avantage du Ghana, vous voyez. Maintenant, la balle reste dans le camp du Nigeria et les autres pays qui utilisent d'autres monnaies différentes de Silice.
Oui, mais ça va de pair. Vous savez le problème. Aujourd'hui, l'argent, on a toujours dit, le CFA était logé en France. La France dit qu'il s'est départi, qu'il ne va plus loger la monnaie en France, l'histoire. Maintenant, la France n'a pas tout lâché. Il a toujours, oui, c'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. La France n'a pas lâché, au moins il a lâché une partie. Le reste, maintenant, comment se faire pour récupérer cet argent? Nous cherchons maintenant une indépendance, que nous-mêmes, nous allons fabriquer notre argent. Nous-mêmes, nous allons donner une valeur à cet argent. Mais qu'est-ce que nous, en retour, nous proposons à la France? Vous savez, tu es en train de faire le champ tu as un truc là, un champ de cacao sur la terre de quelqu'un. Vous allez partir. Mais qu'est-ce que les bénéfices de l'autre? Parce que la France, maintenant, c'est à nous de dire à la France, bon, si tu dépenses de cette monnaie, voilà ce que nous, on te propose. Voilà, ou bien les 5%, les 10% vont revenir pour 10 ans, 20 ans pour pouvoir combler le vide. Mais la France, aujourd'hui, elle a ses intérêts. Et ceux qui travaillent là, dans l'usine dont on parle, ce sont des Français. Je ne pense pas, ce sont des Français. Tous ceux-là, on va les laisser d'un jour au chômage? Voilà. C'est ça. Voilà la grande question. Laissez ces gens-là aller au chômage. Il y a longtemps qu'ils ont volé. C'est le moment de les mettre au chômage. Vous allez continuer sur cette lancée, M. Marcel? Non. Le problème est que je sais que vous ne m'avez pas donné la parole, mais allez-y. Oui, mais Serge, nous allons marquer une petite pause publicitaire et nous reviendrons. Merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau dans l'émission Lumière internationale. Merci d'être branché sur Tempo Afrique TV. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble, vous y êtes, nous y sommes, pour essayer de décortiquer la grande question qui se pose et qui plane dans le cœur des Africains aujourd'hui, à savoir si en réalité les critiques qui planent et qui tournent autour de cette nouvelle monnaie, ECO, est-ce que ce serait réalisé que ECO deviendra quand même la monnaie des 15 pays de l'Afrique, de la CEDEAO, j'allais dire. Donc, telle est quand même la grande question que tout le monde se pose. Raison pour laquelle nous sommes rassemblés, raison pour laquelle Tempo Afrique TV a essayé de faire la plaidoirie auprès de Serge Nyawa, l'animateur du Grand Débat, de bien vouloir accepter l'invitation sur ce plateau cet après-midi et également essayer de demander quand même, solliciter bien sûr la présence bien sûr de Marcel Codier pour essayer d'éclaircir un peu la lanterne, d'éclaircir un peu les inquiétudes qui planent au cœur des Africains aujourd'hui. Alors, nous avons sur ce plateau les deux invités qui sont bien en position pour essayer de vous éclaircir. Merci une fois encore les deux invités d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en deuxième partie et la dernière partie, bien sûr, de cette émission. Marcel, voilà, nous allons tourner le micro vers Serge Nyawa. Serge, s'il vous plaît, il est vrai que les six pays anglophones, là, ne revendiquent pas seulement le nom de ECO, mais aussi les paramètres d'échange, le taux d'échange économiquement qui sera profitable à ces pays de la CEDEAO. Ils revendiquent ça aussi. Oui, et merci encore une fois de plus, Gabriel. On va toutefois répondre aussi aux doléances de notre ami Ferry. Je pense, il faudrait qu'on sache, quand on parle d'éco, vous savez, ECOWAS, c'est bien l'anglais. Oui. Tu vois,
Ça veut dire que c'est Eko, c'est ECOWAS qui a coupé la dénomination. C'est coupé, on a laissé ECOWAS, ECO. Oui. Ça veut dire aujourd'hui, quand on prend ces pays de la CEDEAO, nous avons combien de pays de la CEDEAO? C'est au nombre de 15. Voilà, au nombre de 15. Oui. Donc, il y a l'UMOA qui est implanté au niveau de la CEDEAO. Et puis, maintenant, de l'autre côté, parce que c'est cette même monnaie qui va conduire de l'autre côté l'Afrique centrale, donc la CEMAC. Ça veut dire aujourd'hui, l'association de ces 15 pays vont former seulement une seule monnaie qui est l'éco. Mais c'est Gabriel, on nous dit, pour avoir cette liberté, pour qu'on soit libre, pour que nos matériels soient bien vendus, pour que le marché, si le marché international, ça soit bien vendu, il faudrait que cette liberté de pouvoir avoir notre propre monnaie soit obligeante. C'est ça. On peut fabriquer, ce que je dis, hein, on a, il n'y a plus cette raison d'aller fabriquer notre monnaie à l'extérieur. Au temps du président Laurent Gbagbo, il voulait aller, il avait déjà promis tout, et c'est la Belgique qui allait essayer de faire cette monnaie. Et voilà comment est-ce que tout s'est arrivé. Donc, quand on prend ceux qui sont aujourd'hui au niveau, comment on appelle, de la CEMAC, leur France CFA, là, quand ils reviennent ici, chez nous, on va encore convertir ça pour dépenser. Pourquoi tout cela? C'est pour cette raison, la seule monnaie unique vient pour secourir cette Afrique-là, hein, francophone, et puis... les 15 pays. Maintenant, au fil du temps, on pourra mettre toute l'Afrique là-dedans. Donc, ça fait encore une économie qui ne dit pas son nom. Donc, il faudrait que nous, les Africains, aujourd'hui, on laisse cette histoire de dire que ces gens-là, ils vont perdre leur boulot. Et puis, bon, depuis que, là, ça fait plus de 70 ans qu'on a cette indépendance. Mais si nous ne pouvons pas maintenant être... Et nous ne pouvons pas promouvoir à notre développement, où est la liberté? C'est ça, la grande question, où est la liberté? Voilà, il y a Dissan Komi qui nous dit que voilà, l'usine de fabrication de l'argent doit être en Afrique pour que les Africains travaillent dans cette usine. C'est de l'emploi pour les Africains. Voilà, il y a Razik alias qui revient encore, nous dit que je pense que le problème qu'avaient les pays comme le Nigeria, c'est la façon dont Alassane Ouattara a voulu récupérer ce projet et plus loin des mécanismes qui vont gérer cette monnaie. Voilà, c'est ce qu'il voudrait écrire. Voilà un peu les téléspectateurs qui nous donnent quand même leurs idéaux et leurs apports. Voilà, et comme il y a Kossi et Mekpo, il y a Kossi ou Mekpo également qui participent, bien sûr. Il y a Antoine Ayivi qui participe également. Voilà, merci, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct sur Tempo. Il y a Gaston Bossou également qui participe. Merci, vous êtes nombreux cet après-midi pour nous suivre. Merci d'être là. Nous sommes là pour vous éclaircir. Si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer rapidement. Nous allons les publier. Également, il y a les deux invités qui sont là pour vous répondre et vous satisfaire comme cela se doit. Merci. Alors, Marcel Codier. Gabriel, oui. J'avais la parole avant d'aller chez Marcel. Oui. Je voulais quand même apporter un petit éclaircissement pour dire à nos amis qu'il faut faire la différence entre l'éco. Il y a l'éco de Macron. Et puis, il y a le code de la CEDEAO. Il faudrait qu'on fasse cette différence. Mais oui, Marcel, mais l'éco n'est pas scindé en deux parties. Hein? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais comprenons ça. Parce que Macron est venu donner ses prérogatives où notre argent va être encore dans son usine. Et puis, il va essayer de prendre la gouvernance. La CEDEAO demande à être... beaucoup plus précis, hein, le reste de ces pays anglophones pour dire qu'il faudrait qu'on coupe avec la France. Voilà la différence entre les deux échos. D'accord, merci Serge pour cet éclaircissement. Mais voilà, Marcel,
Voilà la distinction qu'on est en train de faire entre l'écho et le franc CFA. À votre avis? Non, écoutez, vous savez, l'écho, c'est l'écho. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a l'écho de Macron. C'est qu'il faut comprendre l'écho dont on parle de Macron à la San Ouattara, c'est à 1200 francs. Ça, il faut le comprendre. On va vous faire à 1200 francs. C'est-à-dire? Bon, l'écho que peut-être proposent les pays anglophones, ça doit être peut-être se limiter à l'ancienne CFA, le 650. Parce que ces pays-là, aujourd'hui, vous voyez, quand bon, je prends de l'écho pour aller payer des choses au Nigeria et je le prends à 1200 d'histoire, ça n'arrange pas les Nigériens ni les Ghanéens. Mm-hmm. Voilà le problème, c'est ça aussi le problème, il faut comprendre. Donc là, eux seront d'accord sur le veto de la France de dévaluer quand même le coût. Ça, c'est prévisible. On l'a toujours dit, ils ont déjà lancé cette bombe depuis longtemps, 2 ans. On vous a dit pourquoi ils vont refuser maintenant? Alors là, ils sont dans ça fait leur atout, n'est-ce pas? Pas les pays anglophones, tous ceux qui fabriquent eux-mêmes les CD et les Naira et les autres pays, ça ne les arrange pas. Parce que tout ce qu'ils ont en stock maintenant, peut-être ils ont un stock de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils vont être résilients. Si aujourd'hui on doit détruire cet argent-là, qu'est-ce qu'on va le détruire pour faire? On détruit pour en faire un écho? Comment est-ce qu'il faut le changer? C'est la valeur. Admettons qu'ils ont 100 milliards, ou bien 600 milliards en compte, en comme réserve. S'il faut le changer. Mais quand vous voulez le changer à 1200, ça ne les arrange pas. Vous vous rendez compte? Donc, c'est où ils supposent. Mais pour le moment, l'écho aussi, on ne nous a pas dit que ce serait échangé à 1200 francs. On a dit tout simplement que c'est au même taux d'égalité. Suivez l'actualité, vous allez comprendre que ça, l'écho a été dit. C'est pour cela que vous allez comprendre que Alassane n'a pas annoncé. Parce qu'il savait que s'il allait annoncer, ça serait fait une tollée dans toute l'Afrique. Il a dit caché, mais quand vous écoutez... Et les pro-Ouattaristes, ceux qui défendent cette monnaie-là, vous allez comprendre que déjà, c'est la valeur qu'on veut donner à l'argent. Mais ils font semblant de dire, oui, ce serait toujours un truc à l'histoire à 650, c'est faux. C'est déjà été dit. Vous savez, c'était déjà dit. Comment faire pour que les autres pays africains s'accrochent à cet argent et qu'on puisse avoir une monnaie unique? C'est ça, nous, Africains, ça nous arrange. Quand nous, tu quittes Lomé, tu vas au Ghana, tu vas encore faire l'échange en Sidi avant de faire tes courses. Tu vois, au Nigeria, aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les femmes, nos commerçants, c'est au Nigeria, les gens vont s'approvisionner. Oui. Aujourd'hui, les gens ne vont plus en Chine comme ils le faisaient avant. Vous voyez? Donc, ça n'en arrive pas aujourd'hui, le Nigeria. Si le Nigeria va vous vendre les sacs de riz et vous venez le payer à 1200 d'histoire, ça n'en arrive pas le Nigeria. Voilà le problème. C'est un problème d'intérêt. Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, si on arrive à nous dire aujourd'hui que l'écho serait échangé à 1200 francs, ce serait un atout. Oui, un atout. Vous qui sommes dans le CFA, c'est un atout, mais ce n'est pas un atout pour quelqu'un qui est au Ghana. Parce que quand vous allez utiliser, et lui va s'approuver, vous serez riche. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, soit nous avons un taux des gens sur le même pied d'égalité. Si vous ne voulez pas, bon, nous on sort, nous on n'est pas dans vos schémas. Maintenant, qu'est-ce que vous allez leur proposer maintenant? Le dire, va dire, bon, on va faire l'échange pour pouvoir à 1000 francs, ou bien à 1200, 800 francs. Tout cela, c'est négociation. Ça a négocié. Voilà que la France a encore la main dans ces histoires de la CDAO, des histoires. C'est ça aussi le problème. Ah oui, raison pour laquelle il y a Razik alias qui nous dit, voilà que je pense que ce problème qu'avaient les pays comme le Nigeria, c'est la façon dont Alassane Ouattara a voulu récupérer ce projet. Et plus loin de ça, les mécanismes qui vont gérer cette nouvelle monnaie. Donc je pense bien qu'il rejoint carrément votre idée. Alors Serge Niawa, nous sommes à vous. Je crois que Gabriel est parti, c'était quand même pas envoyer une question. Mais il faudrait que tous ceux qui nous suivent sachent. Allez-y, Gabriel. En attendant qu'on est Gabriel, nous allons continuer. Il faut dire aujourd'hui, il faudrait qu'on sache quelque chose.
Monsieur Marcel, Monsieur Gabriel, allez-y Gabriel. Oui, je voudrais tout simplement vous poser la question à savoir, maintenant, quels sont les mécanismes, quels sont les paramètres que nous devons adopter aujourd'hui pour avoir arraché cette indépendance économique dont vous venez de parler sur ce plateau? C'est ce que je voulais, je vous disais tout à l'heure là, que ce que nous vivons là, ce n'est pas une affaire d'un chef d'État, mais c'est une affaire de toute l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui pourra en bénéficier. Nous sommes aujourd'hui simplement la CEDEAO, hein, à 356 millions d'habitants avec un produit intérieur brut global de 817 milliards de dollars américains. Ça veut dire quoi? Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour essayer de créer cette monnaie-là? Et maintenant, quand on crée cette monnaie, c'est nous qui la dirigeons, c'est nous qui la gouvernons, avec nos matières premières, avec tout ce que nous avons, nos richesses que nous avons. Parce que c'est la même richesse-là qu'on va donner de l'autre côté pour qu'on garde cette monnaie. Pourquoi nous-mêmes, on ne le fait pas et puis on va toujours demander à la France, faites ça, parce que comme l'a dit Marcel, on n'aura pas de bonnes coupures, on n'aura pas de... En tout cas, vraiment, il y a bien des choses. On prend le mercure pour fabriquer de la monnaie, les billets. Mais nous avons, regarde aujourd'hui, la monnaie nigériane, elle se fabrique où? La monnaie de l'autre côté ghanéenne, elle se fabrique où? Daniel, oui. Mais pourquoi on n'est pas ensemble pour créer cette monnaie en Afrique et précisément au Nigeria? L'usine s'installe au Nigeria ou bien en Côte d'Ivoire. Oui. L'usine s'installe au Nigeria ou bien en Côte d'Ivoire. On pourra quand même arriver, nous maintenant, si ces autres pays francophones sont désolidarisés vis-à-vis de la France, on pourrait arriver à s'asseoir pour discuter. Mais nous n'allons pas prêter ce que les gens nous amènent pour dire que bon, d'accord, notre monnaie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Monsieur Marcel, quand vous faites une commande en Chine, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la France pour échanger votre monnaie là, pour la reconnaître. Mais aujourd'hui, cette monnaie qu'on va mettre ensemble, elle sera reconnue de par tout le monde entier. On n'a pas besoin d'appeler la France pour reconnaître notre monnaie. Que ça C'est soit ça. le yen, que ça soit, comment on appelle, le dollar américain, que ça soit l'euro, tout ça va aller ensemble. Et cette monnaie-là, la même manière qu'on prend le dollar, qu'on arrive au Togo, et puis directement on l'échange. Le code doit être comme ça en même temps. Les Oui, sept oui. histoires de ceux qui nous ont gouvernés, de ceux qui nous ont colonisés, faisons notre ménage à notre niveau pour aller. Donc, il faut réformer ce qu'on appelle les politiques monétaires. Ça veut dire que nous avons le Naira, nous avons la monnaie nigérienne, nous avons la monnaie ghanéenne, nous avons la monnaie sierra-léonaise, nous avons la monnaie libérienne, qui n'est même pas une monnaie. Vous voyez? Écoutez, nous avons beaucoup de richesses, Marcel. Vous avez le Congo, Zaïre. Mais ces richesses-là, pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour produire notre monnaie? Parce que là, sera un grand continent et les autres là vont venir immigrer en Afrique. Faisons cela, monsieur. Au lieu de rester là, hein, Oui. les jeunes là, ils vont perdre leur boulot. Et puis, bon, d'accord, comment on va faire? Tu vas te soucier de ces gens-là? Quand ils viennent t'intimider l'ordre, et puis ils viennent te poser des présidents pour te tuer. Aujourd'hui, nous sommes sur le programme de Togo. Oui, Serge, Au Togo. Serge, Marcel, lui, il est activiste, donc Je il suis est d'accord que défenseur, Martin donc soit activiste. il a pitié de deux, quoi. Mais je suis d'accord que Martin soit activiste, mais la pitié, le sentiment à ça qui a amené Gbagbo aujourd'hui à la Ah CPI. bah À la... oui. Donc laissons tout cela là. Si vous êtes sentimental, Macky Sall ne va pas vous faire l'honneur de ce qui va se passer dans l'Afrique. Parce que c'est eux-là qui garantissent la France-Afrique. Et qui dit la France-Afrique, c'est une chose, comment on appelle cette monnaie. Le franc CFA là. Le franc CFA, c'est simplement le nom qui va changer. Mais rien ne va pas changer. Donc mettons-nous ensemble pour lutter.
Voilà, il y a Razik alias qui nous dit, si la CEDEAO veut sa monnaie, on ne peut pas fixer le taux d'échange. On doit aller avec la formule 0 égale D. Voilà. merci Razik. Alors, Marcel Codier, nous avons pratiquement moins d'un quart d'heure pour pouvoir arriver au terme de cette émission. Voilà les paramètres. Le franc CFA n'est pas reconnu internationalement. Avant d'acheter quelque chose maintenant, Serge vient d'évoquer le cas. C'est un secret sur lequel je voudrais qu'on revienne pour en discuter sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Pourquoi si les grands commerçants veulent acheter des choses à Dubaï, en Chine, un peu partout dans le monde entier, on est dans l'obligation de consulter la France pour la reconnaissance, bien sûr, de notre monnaie, du franc CFA. Et aujourd'hui, quand on parle d'éco, il va falloir que ces paramètres-là soient quand même évoqués pour qu'on essaie quand même d'officialiser cette monnaie-là. Qu'en dites-vous? Oui, ce que vous devez comprendre, que votre matière première, vos minéraux, là, ces pays par qui fixent le taux d'achat, c'est la France. Ce sont les pays-là, les puissances-là. Le coton, si vous ne savez pas jouer à cette affaire d'éco-là, mais le coton serait payé à 50 centimes. Ou bien à un euro, disons à un franc CFA. Mm-hmm. Ouais, votre bauxite là serait payé à un franc CFA. Parce que ça va de l'intérêt de la France. Mais est-ce que, selon vous, est-ce qu'on ne peut pas quand même réfléchir autrement pour ramener la France à la raison? C'est un travail des experts. Le chef d'État lui-même là, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'en savent rien. C'est un travail des experts qui doit travailler. Des professionnels qui doivent traverser cette affaire d'argent, d'échange d'argent. Ils sont en train. Il y a d'autres économistes également qui sont en train de travailler là-dessus. Oui, il faut faire en sorte que l'Afrique ne soit pas perdant, la France ne soit pas aussi perdant. Parce qu'il faut. Chacun. 50-50, comme le disent les Anglais. Mais si vous voulez, comme le disent, oui, c'est notre achat. Nous, on va le voir. Vous allez tout le retirer, je te dis. Vous allez voir que votre café cacao même serait payé à 400. Mais aujourd'hui, on le paie combien? À 1000 francs, non? À 1800 francs. Marcel, tu peux faire ton café cacao? Oui, Serge. Aux États-Unis. Ton café cacao, tu peux le vendre aux États-Unis. Ça peut encore te rapporter. La France a dit que c'est elle qui t'a colonisé. Donc, c'est elle seule que doit vendre son produit. C'est là le bas blesse, Marcel. Allez-y. Ceux qui consomment plus de café, c'est la France, c'est l'Italie, les pays européens qui consomment plus de café. C'est ça aussi le problème, qui consomment plus de café et le chocolat. L'Américain, est-ce qu'il est, il boit l'été, le matin, midi, soir, comme les Français? L'Américain consomme le Nescafé, le café, et puis le Nescao, le cacao. De toute façon, et le problème que... Nous sommes obligés que nos ressources minières seront achetées par la France. Mais Marcel, moi, je vais te poser une question, Marcel. Ouais, pose-moi est-ce la question. Que notre monnaie, là, ça va continuer d'être fabriquée toujours en France? Non, si c'est la condition. C'est, soit vous leur donnez une partie de fabrication, là, peut-être pour un an, ce serait un contrat. Pour un Marcel. Le contrat bon, de, ok. Oui, Marcel, oui. Si en réalité on laisse encore la France devant aujourd'hui à ce projet d'éco-là, de prendre tout le guide, est-ce que nous ne risquons pas d'être nuire encore? Là, vous êtes obligé de déclencher une guerre mondiale contre la France. Là, vous serez peut-être libre. Mais si vous voulez que vous voulez retirer... Moi, je vais répondre Marcel sur ce fait-là. Marcel, oui. On ne va pas arriver loin. Vous savez... C'est cette même guerre nazisme que l'Allemagne a causée à la France. Et ce sont les États-Unis qui sont venus aider la France à prendre aujourd'hui le dessus. Voilà ce que la France est devenue. Ce même système-là a été imposé au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui continue. À quel moment nous allons-nous débarrasser de ce système? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas vers un contrepoids pour se débarrasser de ce système? Parce qu'on ne va pas vers ce contrepoids pour que ce contrepoids nous mette la main sur nous. Non. Vous avez parlé tout à l'heure des experts. Mais cette histoire d'éco,
au départ était faussée. Nous avons les Agbonikola et d'autres grands experts. C'est ceux-là qui ont mené ce combat pour qu'on ait aujourd'hui le changement de France CFA en écho. Donc ces gens-là doivent être faire part de ce qui se passe. Et la décision maintenant doit revenir à ces experts qui disent que voilà ce qu'on doit faire. On s'assoit puis on discute. Parce que l'Afrique, c'est des cerveaux. Merci, merci Serge. Il y a Razik qui nous dit « Aucun pays ne peut se développer en exportant ses matières premières. Il faut qu'on commence à transformer nos matières premières, il allait écrire nos matières premières en place. Voilà, la transformation en place parce que les produits finis chez nous encore. Bon, il veut tout simplement dire que voilà, il va falloir qu'il est temps que l'Afrique commence à transformer les matières premières pour que ça soit un produit fini chez nous-mêmes. C'est ce que tu disais. Si vous transformez les trucs de fer pour aller en France, et c'est eux de vous fixer le taux d'achat. C'est ça le problème aujourd'hui. Nos chefs d'État, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils ne font pas. Déjà, le fer de Bangui, le fer du Togo, on le transporte en conteneur, en bateau, on va en France. Et maintenant, Marcel, nous sommes pratiquement à la fin. Et il nous reste pratiquement 5 minutes. La réalisation est en train de nous faire signe dans les médias. Mais comment faire pour ramener ces chefs d'État-là à la raison, qu'ils sachent qu'ils sont mis devant, ils sont mandatés par leur peuple, ils sont devant leur peuple pour défendre la cause de l'Afrique. Comment feront pour les ramener à la raison, ces chefs d'État africains? Est-ce que qui peut les ramener à la raison? Du moment, ils sont élus par la France, c'est ça le problème aujourd'hui, ces chefs d'État africains. Non, ils sont les êtres humains comme nous, hein? Non. La génération des Serge qui disent que oui, ce sont ces chefs d'État-là qui doivent arriver maintenant pour pouvoir discuter avec Macron, oui, ou bien avec la France. Si ce sont les chefs d'État comme Alassane Ouattara, ou bien le Paul Biya, les gens qui vont aller discuter pour vous, c'est avec des cours, je te dis, vous n'avez pas ce que... Je n'ai pas dit cela. J'ai dit la décision là doit se mener en Afrique, parce que nous n'allons pas toujours continuer en France et... Les grandes décisions vont quitter là-bas. Ça ne va pas marcher. Parce que mettez-vous en idée, la CEDEAO, la CEDEAO que vous êtes en train de voir là, la CEDEAO aujourd'hui, ces pays-là peuvent commencer d'abord leur monnaie et puis maintenant les autres pays vont venir. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui là, il faut dire que l'agenda de la CEDEAO et puis le franc CFA là, c'est incompatible. Donc, il faudrait que nous arrivons à nous asseoir. Il faut complètement signer la fin du franc CFA avec la France. Et pour le faire, Marcel, ce n'est pas difficile. Votre décision, là, ça peut faire quelque chose. Les chefs d'État que vous êtes en train de voir, là, c'est vrai que ce sont on dit souvent que ce sont la communauté internationale qui les a mis là. Mais c'est le moment pour que toi, Marcel, en tant qu'un homme de la diaspora, vous venez avec des solutions. Vous ingérez dans cette histoire de cause. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'Afrique, mais vous pouvez faire part. D'accord. Donc, il y a vraiment, l'Afrique est en retard par rapport aux autres continents. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous, les Africains, nous sommes victimes du non-développement et nous sommes dépendants, bien sûr, des pays de l'Europe. Et les Européens sont en avance sur nous, les Américains sont en avance sur nous, les Asiatiques sont en avance sur nous aujourd'hui. Donc, Marcel, il va falloir qu'on essaie quand même d'être reconnaissant de notre sort. Très triste, aujourd'hui. Les Africains souffrent aujourd'hui. S'il y a également les problèmes les Africains, les jeunes Africains qui fuient l'Afrique aujourd'hui et se réfugient en Europe et autres là. Et l'Europe aussi est en train de décréter quand même des mesures pour les chasser de l'autre côté, les déporter. Non, écoutez, si l'Afrique va bien aujourd'hui, ça va de bon gré également pour l'Europe. L'Europe sera aussi déchargée, vous voyez, Marcel. Oui, c'est tout ça. Ce sont les mauvais accords qu'on aurait signés au préalable. Aujourd'hui, il faut revoir les accords.
Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Vous voyez, quand un petit de 14 ans qui se gouffre dans un avion qui veut aller se chercher en France, vous voyez, ça fait pitié. C'est ça, quand fait vraiment pitié. Quand nous avons tout aujourd'hui, avec tout ce que produit la Côte d'Ivoire, des jeunes comme ça doivent être aidés. Au moins, les chômeurs doivent, au moins, on doit leur donner au moins 25, 50 000 francs. Pour ce, au moins, nos pays africains, voilà, le pays comme ici, je suis en Irlande, ils n'ont pas le café cacao, ils n'ont pas le chocolat. Mais ils ont des usines de chocolat ici. Moi, je sais, moi j'étais là-bas, je suis étonné, je dis, mais tout cela, ça vient d'où? On dit ça vient de l'Afrique. Le brut vient de l'Afrique. Et nous, on fait le chocolat. Et ici, ils sont des grands consommateurs de chocolat. Pourquoi ne pas mettre ces usines-là en Afrique? Parce que nous-mêmes, c'est le chef d'État, ils ont des intérêts, leur affaire, ils doivent de 10%. Affaire de 10%. Nous savons beaucoup qui veulent revenir en Afrique avec des affaires. Mais quand les chefs d'État sont impliqués, quand vous n'êtes pas l'ami du chef d'État, on ne doit pas vous autoriser à ouvrir votre société, votre compagnie. Et le cas d'exemple est au Togo. Beaucoup de sociétés ont fermé parce que vous n'êtes pas du bord politique du chef de l'État. C'est la même chose qu'on peut voir aujourd'hui. Vous êtes de bord politique de Alassane Ouattara avant qu'on vous donne un marché. C'est ça aussi le problème. Voilà. Voilà. Merci Marcel. Il y a un téléspectateur dont il s'agit bien sûr de Razik alias qui nous dit: Gabriel, vous avez déjà commencé à couper l'internet à Lomé, donc ce qui prouve que nous sommes en état. Voilà. Non, il faudrait dire tout simplement Razik, non, il y a un problème, je vais rapidement vous éclaircir, il y a un problème d'ordre technique. Selon ce qu'on nous dit, le réseau Togocel, le réseau étatique, le réseau officiel a été privatisé, et sa privatisation a fait qu'il y a d'autres étrangers qui ont pris le guide de ce réseau de communication. Alors ils sont en train de réaménager bien sûr les choses, raison pour laquelle nous avons eu dans tout au long de cette semaine des pannes techniques et la connexion nous a vraiment manqué. Mais on nous signale que ce n'est pas encore terminé. Mais la semaine prochaine, on verra ce qu'ils vont faire. Oui, Marcel. Non, Serge, vous avez... Gabriel, vous parlez de la privatisation de, comment on appelle, Togocel. Mais mettez-vous en idée que le gouvernement, sinon je dirais même le président en place, ils ont 10% là-dedans. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et maintenant, on appelle d'autres personnes pour pouvoir redynamiser, réformer. Ça veut dire quoi? Encore, les Togolais vont souffrir de cette mamaille, non seulement de coupure, mais vous allez encore, les factures vont augmenter. Oui, quand les factures de CIE augmentent là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre sorte de dévaluation. Donc, comme l'a dit Marcel, si on ne fait pas la transformation de nos matières premières et de nos matières minières, on va toujours rester comme ça. Sous la dépendance. Beaucoup de choses. On sera toujours dépendant. Et la dépendance là, mon cher ami, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes malade, c'est en France, vous allez à l'hôpital. Quand vous êtes malade, quand vous avez besoin de quelque chose, c'est en France, vous allez quand même prendre vos richesses. C'est pas du tout normal. Et c'est dommage. Alors, merci Serge. La faute n'est pas pour les Africains, nos chefs d'État. Si vous n'avez pas des usines de fabrication, vous n'avez pas des... On va avoir tout ça, Marcel. On aura tout ça. Quoi? Je te donne un exemple. Tout au Togo, tout récemment, ils ont fait une inauguration. La première pas, Pierre de Tigol nous a dit dans un an, l'hôpital de Pellegrin, comment va sortir de terre. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Les 17 milliards dont on parle. Aujourd'hui, on va nous dire. De toute la façon, nous y reviendrons. Ce sont les paroles de campagne. Je vais être effectivement. On connaît bien les candidats. S'ils sont en campagne, ils font des promesses utopiques et bon, ils n'arrivent pas à respecter. Donc, on verra quand même. C'est la raison pour laquelle... On doit imposer une loi. C'est ça. Quand tu essaies, on ne dévie pas, comment on appelle ce débat, mais puisque vous avez posé cette question, il faut dire que nous allons travailler sur toutes les constitutions où il faut mettre quelque chose là-dedans. Quand tu dis que je dois faire ça et que tu ne réalises pas, tu ne vas plus être dedans encore. Et ton parti ne doit plus faire part. C'est ça. Voilà.
Non, voilà. C'est sûr, on verra, il y a les constitutionnalistes qui sont à l'écoute. Le Ghana, personne n'arrive à changer, c'est ce qu'on doit faire en Afrique francophone. C'est que nous, peut-être, la nouvelle de Gabriel me propose. Nous allons verrouiller, même tu peux être Adam et Ève, même arriver, ils ne vont jamais déverrouiller nos constitutions. C'est ça aussi le problème. Oui, on verra à l'arrivée, bien sûr. Nous ne sommes pas encore sur le cas du Togo, mais nous serons sur le cas du Togo peut-être demain avec au grand débat avec Serge Niawa qui est présent avec nous sur ce plateau. Donc, raison pour laquelle Tempo Afrique TV a initié quand même un programme bien défini pour suivre, bien sûr, la campagne présidentielle au Togo et précisément à Lomé. Nous sommes là, vous êtes là pour nous suivre et nous sommes là pour vous éclaircir. Merci, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Marcel Kodié, quel serait votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, c'est pour demander... C'est pour dire aux Africains que de se lever, que vraiment, il faut que l'Afrique se lève pour que nos chefs d'État, nos États commencent à construire des fabriques. Les jeunes sont livrés au conduit de ces médias et ils deviennent malades. Aujourd'hui, c'est là le grand travail qu'on a en Afrique. Voilà que nous avons des possibilités d'avoir des usines, des histoires pour que les jeunes puissent travailler. Des grandes sociétés pour que les jeunes puissent travailler. Transformer nos matières premières en Afrique avant de les envoyer en Europe ou aux États-Unis. Ça, il doit le falloir. Parce qu'il faut... Avec la nouvelle génération, je pense que ça va se faire. Mais c'est... D'accord. Ces racailles de chefs d'État que nous avons aujourd'hui là, on n'attendons rien de ces gens-là. Donc c'est pour cela qu'il faut une révolution pour écarter tous ces gens-là. À zéro. Merci. D'accord, merci Marcel Kodié. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Alors Serge Niawa, quel serait votre mot de conclusion? D'accord, puisque nous allons avoir le grand débat demain, avant de donner mon mot de conclusion, je voulais quand même inviter tous les amis panélistes et aussi tous ceux qui nous assistent, ceux qui sont, comment on appelle, nos amis de Facebook, que demain, ce sera l'heure de la vérité. Ça sera l'heure de la vérité parce qu'aujourd'hui, sur Tempo Afrique TV, à Jean-Pierre Fabre qui est sorti et il a posé un problème que les Togolais n'ont pas encore vu. Quand vous prenez la constitution togolaise, vous allez voir, comme la constitution ivoirienne, c'est la même chose. Un article qui est dedans, qui ne permet pas à M. Ouattara de se porter encore candidat, ce même article a été copié dans la nouvelle constitution qui était dans l'ancienne constitution. Donc, le grand débat arrive demain pour donner beaucoup de détails. Et vous allez voir, c'est là maintenant, les Togolais, de par leur responsabilité, parce que, normalement, quand on voit cela, M. Fraud ne doit pas être dans l'arène de cette candidature. C'est pour cette raison il a pris le temps de venir en dernière position pour dire que vous m'avez accepté, donc j'accepte d'être votre candidat. Donc, je voulais dire cela. Maintenant, pour cette histoire d'écho, je voulais quand même dire à nos amis qu'il faut vraiment couper la fin du franc CFA. Il faut vraiment rompre avec le franc CFA. Il faut vraiment rompre avec le franc CFA. Et puis, les questions que nous pouvons poser, est-ce que l'écho va continuer d'être imprimé en France? Est-ce que la moitié des réserves seront toujours stockées en France? Est-ce que les grandes décisions vont toujours continuer d'être prises en France? La question aussi de ces réserves d'échange n'a pas été résolue. Est-ce que les politiques monétaires, économiques que nous sommes en train de voir ont été finalisées? Est-ce que la CEDEAO n'a pas de nouveau traité de l'union monétaire, les statuts aussi de la future banque centrale pour cette monnaie, ce n'a pas été encore clairement finalisé. Il y a M. Ouattara qui est venu pour dire que pas de changement de parité entre le franc CFA et puis, bon, d'accord, l'écho. Vous voyez, entre l'écho et puis le comment on appelle le CFA. Non, pas le CFA. Mais l'euro, donc, l'euro, oui. Voilà, il faut dire maintenant que les 15 pays ne sont pas encore prêts. Avec cette histoire de convergence, ils ne sont pas encore prêts. Personne ne remplit les critères de convergence. Donc, il faudrait qu'on nous dise la vérité. Donc,
On a dit que ça serait en 2020. C'est pour retarder, pour dire demain que c'est le franc CFA va toujours continuer. Pourquoi M. Ouattara, le président ivoirien, qui défendait le franc CFA, subitement est venu pour dire qu'il faut une nouvelle monnaie? Ça, la question reste posée. Les Africains doivent ouvrir les yeux pour dire que l'écho, ce n'est pas maintenant, mais c'est son nom qui sera changé et on va toujours continuer de dire que nous avons changé la monnaie. Mais justement, c'est le nom qui a changé. La même chose que vous avez mangé hier, c'est cette même chose que vous allez manger aujourd'hui. Ce n'est que le nom de cette chose qui change. Merci Serge Ngawa, le grand animateur, bien sûr, du grand débat sur Tempo Afrique TV, journaliste, analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, avant de boucler cette émission, je vous rappelle que Tempo Afrique TV a initié un programme systématiquement pour essayer de suivre la campagne présidentielle au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que les Togolais sont appelés aux urnes le 22 février prochain pour élire un nouveau président. Y aura-t-il alternance ou pas? Nous allons essayer de suivre. Alors, Tempo Afrique TV est là pour vous retransmettre, bien sûr, les choses en direct. Raison pour laquelle les journalistes, analystes en qualité sont là pour vous éclaircir. Et il y a les reporters sur le terrain, déjà sur le territoire togolais, à Lomé et à l'intérieur du pays. Ils sont prêts déjà pour vous retransmettre les faits palpables. C'est dans ce programme que nous allons analyser, bien sûr, les candidats, leurs projets de campagne et leurs mensonges également, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire. C'est ici que nous allons en décortiquer. Mesdames et messieurs, soyez toujours au rendez-vous et soyez toujours les nôtres sur Tempo Afrique TV. Nous sommes ensemble, nous y serons toujours. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aux invités d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Je me nomme tout simplement Gabriel Adona, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en ordre de cette émission. Nous vous retrouvons le week-end prochain pour un nouveau numéro. Bye bye. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Badagba le tunji.